Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Voilà, la mine. Quand je suis sorti et qu'on avait vu qu'il restait que 66%, bah je suis rentré du coup et... Bon, j'ai amélioré un peu mes flingues de ce que je pouvais les améliorer, parce que visiblement maintenant j'ai le droit. T'as pas choisi le bon jour pour m'emmerder. Oh, joli, celle qui l'a tué. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ou une tasse. Une tasse, ça se prend. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que c'est? Arrêtez là! Chikrit. On a un peu plus de précision sur ce fusil. Hein. Qui ose? Oh allez, arrêtez de jouer. Bon, écoute, on va les contourner. Hein. Vous rappelez là? Alors, je vous montre. Hein. Couloir là. Couloir, salle au trésor. Moi, pas être allé au bout. Rappelez-vous, la petite sas, là, on a ramassé le flingue et tout. Voilà, il suffisait d'aller au bout. Alors, visiblement, j'y suis pas allé. D'ailleurs, dans mes... Oula. Oula, j'en ai trop demandé. Oula. Ouais, il y a une petite mise à jour de carte graphique. Il n'a pas été très fan, le jeu. Couteau, fusil, pistolet. C'est le Eagle. Ok. J'avais pas un sniper, je l'ai vendu. Ou je l'ai abandonné au vaisseau, je sais pas ce que j'ai foutu, mais... Je ne l'ai plus. Certes, c'est intéressant. Ok. Vagabond stellaire, ok, un sac à dos. Ok, ça suffit. Une attelle, parfait. Faut que vous commenciez à vendre des trucs. Ok. Ah, ça y est, je suis trop lourd à nouveau. Oh, je suis trop lourd. Bon, c'est... Il y a qu'à y avoir plus de marchands. En même temps, gros défaut du jeu, il n'y a pas assez de marchands. Voilà. La borne n'a qu'à avoir plus de fric, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Soin... une attelle. Voilà. Presque léger. J'en ai plus rien si on trouve des sacs à dos médiocres à tout coin de rue. Hein. Ça s'est calmé d'un coup. J'ai pas tué tout le monde. Bon, on verra. Je pense qu'on trouvera d'autres clients un peu plus loin. Maelstrom. Ah! Le retour des cartouches. Je crois qu'on en a des cartouches de cette arme là. Mais j'ai pas un sniper. Attendez, je crois que j'ai un sniper. Attendez, je trouve des flingues. Donc ça, c'est un Maelstrom en silencieux, d'accord. Le régulateur, on l'a déjà équipé. L'antipersonnel, le déchireur. Non, ça me dit rien. Et le jeu, évidemment, ne veut m'afficher rien du tout. Rien du tout. Bon, j'ai dû me débarrasser du fusil de sniper. Très probablement parce que j'avais pas assez de balles pour ça. Si, hein ? Quelqu'un a quelque chose à ajouter ? Ah, oui, toi. Ah. Dangereux comme endroit, ça. Belle téléportation, Sarah, GG. Une belle maîtrise de la téléportation, c'est beau à voir. Allez, une petite serrure d'expert. Alors pour vous, évidemment, les épisodes, ils arrivent en continu. Hein. Pour moi, un moment. Hein. Ça fait un petit moment encore, hein, comme d'hab. Hein. Ça fait, je sais pas... Enfin, on fait ce qu'on peut.
y a un intérêt, hein. Il y a un intérêt sur ce projet, je le valide. J'accepte de commettre cette erreur. De bonne grâce. Est-ce que ça s'exploite? Moi je pense que oui, ça s'exploite ici. Pour moi c'est pas mal. Et toi? Ah, ça va pas être concluant ça. Ça va pas être concluant du tout. Par contre, peut-être que toi tu es plus concluant. C'est validé. Ici. Non. Non, on n'en fera rien. Du 2, puis du 2 à la limite. Genre comme ça. Et comme on a dit, comme ça. Voilà, c'est bien. Un adepte. Un soudeur. Intéressant. Ça a une bonne gueule en tout cas. Pas l'air de faire monstruosité de dégâts, mais. Ça a une bonne gueule. Combinaison de vol spatial au sol. Un autre sac. Au secours. Au secours, j'ai plus de place, arrêtez. Arrêtez de me fournir du matos qui pèse 10 tonnes. Par pitié, au secours. Des chemins, oui, mais des coffres d'armes. Ok. Combinaison de vagabonds. Combinaison de vagabonds? Ça m'a l'air incroyable. Est-ce qu'on n'est pas un peu un clodo de l'espace? Est-ce que quelque part, le ménageur n'est pas un clodo de l'espace? On veut voir. Hein. Ça, c'est la vagabonde de l'espace, ok. Ah, ça a beaucoup d'énergie. Ça a beaucoup d'énergie, pas de résistance à l'énergie, I suppose. I suppute, hein. C'est résistance au physique, à l'énergie et aux impulsions électromagnétiques. Intéressant, intéressant. Hein. Ok, par là on descend dans un trou. On appellera le trou. Ouais, bah si. Hein. Il a l'air d'y avoir du loot au fond. Ah, bah c'était un retour casse départ. Intéressant. Hein. Oui, je suis un peu trop lourd, ça va. Ça va. Alors, on va pas rendre l'aventure abjecte, vous savez quoi? On va même la rendre moins abjecte que ça. Hop, 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 je reviens ici. Hop, oula. Oula, c'est dur. On va venir là et on va transférer là-dedans du matos. Comme ça, on va être plus léger, on va pouvoir se balader, on va pouvoir courir, on va pouvoir galoper. On va balancer des sacs, hein. Voilà, stocker du sac. Le conteneur est à son maximum. Les conteneurs ils peuvent rien contenir. Au secours. Tu peux prendre un sac? Deux sacs? Pas mal, pas mal. C'est bien. Deux sacs déjà, c'est bien. Hein. Déjà, nous à deux sacs, on est content. Hein. Est-ce que tu peux prendre une combi ou plus? Là, on commence à être très content. Hein. Est-ce que tu peux prendre une soudeuse? Il peut prendre une soudeuse quoi. Un Equinox nul. Ouais ouais, prends tout ça ouais. On a 228, on est bien. Hein. J'ai un casque. Oui mais le casque que j'ai c'est celui que j'ai sur la tête les gars. Des ressources. Voilà, on peut pas tout stocker. Dommage. Voilà. Vas-y envoie. Ça c'est du bon conteneur ça. Ça c'est du bon conteneur. Dans le doute, on va même lui rajouter le divers. Ça me fait plaisir. Et on récupérera ça à la sortie. Ça sera très très bien. Moi, s'il faut après ça, je me fais une petite téléportation au vendeur le plus proche. Au vendeur de votre cœur. Ouais, on a bien dégrossi, hein. Bon, bref. Allez, ça suffit. On a assez dégrossi comme ça. Là, on est hyper léger, faut pas déconner. Alors, c'est donc cet endroit-là. Et il fallait pas faire demi-tour, hein. Fallait juste continuer là, en fait. Voilà. C'est pas si évident. Non, vous seriez tenté de vous payer ma tête, mais c'est pas si évident. Non, quand même, faut ouvrir les yeux, faut le voir. C'est au milieu de l'écran, quoi. Voilà, quoi.
Personnel autorisé uniquement, d'accord. Je suis pas autorisé comme personnel, hein, donc. Donc on va passer notre route. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Vous avez vu cette maîtrise du jetpack, hein. Je suis sûr que vous êtes très impressionné. Nous on a vu là, on a chu par là. On n'est pas descendu par ici. Non. Mais je crois qu'il y avait un chemin bis, il n'y avait pas genre juste un trou. Si, il y a peut-être juste un trou. Peut-être genre juste un trou. Ouais, c'est juste un trou. Ok, c'est juste le trouillou du retour. Ok. 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 Let's go. Y'a rien, y'a rien. Allons par tout droit, hein. Y'a pas de raison, hein. C'est qu'on est dans une vieille mine et autant en haut il y avait du plomb, autant là il n'y a rien du tout. Ok, personnel autorisé uniquement. Ça, c'est un mec que j'ai dessoudé. Rapportons tout au vaisseau. Ne prenez pas de camelote. T'es camelote, la camelote épique, hein. Oh l'autre, elle parle vite très très mal, hein, je trouve. Hein. Y a du loot, hein. Y a du loot, nous on prend, hein. Ouais, ouais, hein. Ça a pas l'air comme ça, mais y a du bon, hein. Y a du bon, mes cochons, hein. Bon, d'un petit lardon, qu'est-ce qu'il y a, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme loot, hein. Allez. Combinaison de soldats. Intéressant. Donc, ok, donc on arrive sur cette plateforme. Bon, on pourrait sauter comme un gros chien, un chacal. Un mec qui ne respecte rien, mais on peut aussi gentiment faire tout le tour de toute la plateforme et ramasser un petit aimant qui se baladait par là. C'est pas utilisable comme panneau, pas utilisable. D'accord. Très bien. C'est peut-être un petit reproche à faire, c'est-à-dire que c'est un petit peu trop, on va dire, construit comme un Skyrim avec du décor inutile. Je veux dire, ils ont créé un lore, y a une utilité à tout ce décor, mais on ne peut pas l'utiliser. Ce qui est un peu triste, quoi, finalement. C'est un peu dommage. C'est un peu comme le vaisseau qui sert principalement d'objet de téléportation, en fait. C'est un cheval, mais en moins bien. C'est un cheval, mais en plus useless, donc voilà. Ok. Les petites cartouches. Ok. On prend tout, hein. D'armes, on va l'ouvrir. Pour des mineurs, qu'est-ce que vous êtes armés jusqu'aux dents, les gars, d'ailleurs, hein. Peut-être que vous êtes des spatias, hein. Le futur du pillard, bien sûr. Pourquoi les pillards ont toujours de l'avenir. Pas tortillé. Là-bas, ça descend. Plus profondément. Ah là là, ils ont creusé trop profond. Je connais cette erreur. Oh, lui c'était vraiment le loser. Et c'est celui qui a survécu le plus longtemps, c'était Loserman. Avec son bateau semblant. Alors moi je veux pouvoir utiliser ça comme machine là, ça a l'air trop rigolo. Du plomb. Ouais bah du plomb. Ouais bah tiens, vas-y, on en fait. Parce que comme ça on n'est pas assez lourd, c'est pas assez drôle. Donc le Mordor, c'est par là. Et bah c'est tout. C'est la fin, c'était le Mordor, hein. Il n'y a pas d'autre accès. Ok, normalement, si je fais ça et ouvrir la carte de la surface... Ah, on peut pas l'ouvrir en souterrain. C'est quand même dommage d'être dans le futur et pas pouvoir ouvrir une carte en souterrain. On se dit, bon, les GPS n'ont pas été améliorés depuis. C'est quand même bien dommage. Depuis qu'on est devenu des experts du vol spatial.
Nous n'avons pas su améliorer avec un Z bien sûr, le GPS. Le GPS est resté une technologie obscure, qui est hors de notre portée de compréhension, qui marche, que ça dépend que s'il y a du vent quoi. Vas-y. Ah d'accord, on arrive ici, c'est mignon. Il y a un truc... Non. C'est du lore. C'est du lore. C'est du passage en lore. Pour te rappeler qu'il y a un raccourci là-bas. Il y a un retour maison rapide. Chic chic. Me suis pété la guibole. Non mais sérieux. Tout prendre. Tout prendre, vas-y, on va être trop lourd, on a l'habitude. Allez, let's go, la balade. Est-ce que j'ai quelque chose sur moi qui fait pansement? Est-ce que j'ai de quoi me soigner un bobo au doigt? Non. Non. Le granola, ta-ta-ta-ta-ta... Ils auraient quand même dû séparer les éléments qui rendent de la vie. Quand t'as un inventaire aussi complexe, il faudrait séparer les éléments qui rendent de la vie des éléments qui soignent les effets. Ou en mettant par exemple deux onglets, tac tac, on switch entre les deux. Ça aurait été... Le classement dans un jeu où t'as beaucoup beaucoup de merdier, c'est important. Hein. Et normalement, dès qu'on sera à la surface, on nous dirait que vous avez explosé 100% du... exploré 100%... de cette zone. Cette ferraille. Ah oui, c'est l'écran d'ordinateur. Vous avez permis de déclencher le robot. Évidemment. Mais, d'ailleurs, elle est où l'autre? Je voulais savoir si je l'avais chargé de matos. Peut-être qu'on pourrait se déplacer plus vite si jamais je l'ai pas chargé de matos, en fait. Ça. Potentiellement, ça changerait notre vie. On dirait bien que c'est une exploitation minière. N'hésitez pas à mettre des objets dans mon sac. Sauf que t'as déjà l'air rempli. Elle est à 534 sur 410. Alors si je veux te donner un... Non, mon inventaire. Excusez-moi. Mon inventaire, si par exemple je veux te lâcher une combi. Ouais, tu veux pas. Si je vais là-dedans. Ah, je lui ai filé tout mon heal. C'était bien. Ok. Bon bah t'as tout mon heal. Au revoir. De toute façon pour ce que je m'en sers. Au revoir. Ouais, alors on va aller jusqu'au vaisseau hein. Pas... Oh la vautrade. Comment ça gaz toxique? Arrête. C'est pas vrai. Ne mens pas. Ouh. Ouais, courir avec une surcharge inflige une pénalité, c'est vrai mon gars. Là, il a des vérités, elles sont incroyables. Cockpit, ce coup-ci on va pas se faire avoir. On va se téléporter vite fait, commerçant, tout ça pour essayer de leur vendre des trucs. Ah, et elle a un loot pour nous. Incroyable, mais nous n'avons pas les moyens. Map de la galaxie, s'il te plaît. Ouais. Un petit moment déjà qu'on est sur cette planète, hein, en vrai. Hein. Et on pourrait aller à Sol aussi. Mais nous on connaît bien Alpha du Centaure et ça nous chauffe bien. Enfin moi ça me chauffe bien. C'est quoi la planète, le caillou sur lequel on allait? Grissom, Marine. On n'a jamais visité cet endroit. Ça aurait pu être intéressant. Hein. Alpha du Centaure. Qu'est-ce que tu fais?
à cet endroit. La loge inexplorée. Comment ça? Comment ça? Comment ça la loge c'est inexplorée? Allô le jeu? A cassé le jeu? Scan impossible. Qu'est-ce que ces conneries? Qu'est-ce que c'est le... Je comprends pas tout. Nous on venait bien de là. Narion, Valo, y a rien ici. Toliman? Non, non, c'est pas Toliman. Arrête tes conneries. Bon, allons à sol. Je comprends plus rien. Mec, ils ont pris de la drogue. Phobos. C'est quoi Phobos? C'est juste un caillou. D'accord. Et si on va aller là-dessus? Ok. Bon, mais on peut pas se poser. Il n'y a aucun endroit genre officiel. On peut aller à Phobos. Mettre le cap sur Phobos? Non. Non, j'aimerais comprendre pourquoi plus rien ne marche en fait. Genre nous, on est à l'étoile de Banar, là. Voilà, avec ce caillou là, ce caillou qu'on aime beaucoup. On venait de là, de Narion. Là, un truc comme ça, de voilà, crit et tout là, voilà. Hop, on a fait un crit, comme on dit dans le milieu. Allô? Oui, mais on n'a jamais exploré, donc c'est pour ça qu'il nous propose de sauter. Mais Alpha du Centaure, nous connaissons déjà. Il y a une capitale Alpha du Centaure, qui n'est pas Gargarine. Qui n'est pas ça non plus. Qui n'est pas Lovell, ni Olay, ni Zeka, ni Shalau, ni machin. Ni Kerbin, normalement. Avec son avant-poste civil des plus esthétiques. Certes. Grimson non plus, il n'y a rien dessus. C'est pas toi que je cherche, du coup, c'est le... C'est la petite navette, là. Pourquoi la petite navette? Avec un avant-poste minier, certes. Pourquoi tu montres un logo de vaisseau? Je vais te tuer. Je vais vraiment te finir à la machette. Vaisseau. On le connaît pas, donc on nous propose de sauter. Mais j'ai raté un truc ou quoi? Ça se passe comment? L'iris. Ok. J'ai mis son... Curse. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? La loge. Quartier commercial, explorer. Et ben voilà. Bah mettre le cap. Ouais, vas-y. Tu m'as l'air timide. Hey, mais le doute, il me garde tous les icônes en gris. Genre, tu n'as jamais rien visité. Et mais en blanc que des trucs que j'ai jamais visité, par contre. C'est un concept. C'est un concept avant tout, je pense. Ah oui, j'ai leur espèce de contrebande de merde à la con à bord. Quoi? Ouais. Notre scanner a détecté de la contrebande à bord. Arrêtez-vous et laissez-nous aborder. Toute marchandise illégale ou volée sera confisquée. Ouais, si tu veux, hein. Ouais. Compris. Restez avec nous, on va vous escorter. Voilà, moi je m'en fiche. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on avait le vieux truc de contrebande, je l'avais oublié. Bon, bah c'était pas une bonne idée. D'accord, je comprends mieux pourquoi il était plus réticent sur les sauts, genre... Ok, c'est plus clair. C'est plus clair. Yes. Casier des objets volés. Ah. Ah, intéressant. On peut craquer le cracking. Intéressant. On peut craquer du craquage? Intéressant. Ouais, vous avez compris. Depuis 2.
3 puis 1. 3 puis 2. Ok, et donc il me faut 2 là, et ça doit être toi. Ouais. 1, 2, 3. Ça se passera pas comme ça, visiblement. Ok. Donc là, c'est du 4. Ça rentre. Ça rentre. Technologie de Xenoguerre et une sculpture. Oh non, je laisse tout. Hein. Voilà. Vous auriez pu me soigner, hein. J'ai bobo au doigt. Je souffre terriblement. Vous aider, capitaine ? Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Par contre, ce qui est fou, c'est que je suis capitaine d'un truc d'exploration et on ne me laisse pas la possibilité de ramener de la contrebande. C'est genre, je peux vous aider, capitaine, mais je vous ai coffré quand même pour la contrebande. Mais j'ai buté des méchants qui avaient de la contrebande chez eux. Mais tu... Hey, tu payes, connard. C'est toi qui l'as volé. Mais non, mais en fait, je l'ai récupéré. Oh, c'est trop long, c'est trop compliqué à vous expliquer. Je peux payer, c'est plus simple. Oh là là, vous vous rendez compte tous les nombres, le nombre de gobelets qu'on a perdu en argent là. C'est terrible. Hein. Le ménageur va redevoir devenir VRP en gobelets. Usagé, très important. Et pas recyclé, hein, non, juste usagé, juste usagé, c'est tout quoi. C'est pas plus performant que ça. C'est... Ok, ok, ok. Ah, le jeu. Et en fait, je sais pourquoi le jeu, par contre, rame au chargement comme ça de ouf. C'est parce qu'après un vu, m'a-t-on dit, dans les prérequis. C'est une blague. Ah non, c'est bon, je suis toujours en surcharge. Très bien. Je peux attendre, ils m'ont tout volé. Le jeu, dans ses prérequis, votre vaisseau. Il a le fait d'être installé sur un SSD. Je ne l'ai pas installé sur un SSD, évidemment. Le législateur. Intéressant, hein. Oh, ça se dégage, ça. Oh, ça aussi. Oui, non, ça vire. Oh, ça dégage, hein. Pas des équinoxes nuls. Virez-moi tout ça. Oh, c'est nul, ça aussi. Ça vaut juste de l'argent, mais c'est nul. Genre, ça fait du pipiou à 17. J'ai un pistolet qui déboîte quand même à 100, hein. Quand tu balances du sang dans la face des gens. J'espère qu'on a beaucoup de munitions pour ça. Pour toi. Point 44 ultramagnétique. Ah ça c'est du point 43, c'est plus petit. Ça balance du 52. Est-ce qu'on n'admettrait pas que le Eagle est devenu périmé? Le législateur aussi était périmé. Même si le Eagle a un certain confort au tir, il est périmé. Les combis, il y a déjà plus de thunes ici, quoi. Non mais le scandale. Non mais le scandale, laissez-moi vendre quelque chose, genre un sac. Voilà. Sac que ça pèse. La recherche de Calobor, tous les 2-3 atterrissages. Elle provoque de sacrés dégâts si on les laisse faire. Certes. Et voilà notre nouveau capitaine. Attends, si tu peux vendre toi. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. Oui, oula. Oh. Et voilà notre nouveau capitaine. Le jeu il a abusé parce qu'il a pas besoin de SSD. Mon équipage peut jeter un œil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale. Oh, ouais. L'autorité commerciale a un comptoir tout près d'ici, à côté de la rampe. Et sinon, Jamison Mercantile est la boutique la plus proche si vous avez besoin de fourniture. Ouais, donc tu me prends rien. Merci, mec. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la Salut. Boutique si vous avez besoin de moi. On ira voir les bas quartiers à un moment donné. Ah, je suis encore trop lourd. Non, c'est fou. Tac, tac, tac. On m'a ajouté 1300 crédits comme ça. Pour le plaisir d'offrir. Viewport. Oh, c'est un petit saloon un peu classe.
Oula. Bonjour. Contente de te revoir. Je peux te servir quelque chose ? On s'est jamais vu. Non, vraiment. Pour le coup, je me rappellerai. C'est toujours agréable de voir un nouveau visage. Ah, première fois à New Atlantis ? Oui, ouais, tout à fait, ouais. Non, je viens ici tout le temps, en fait. Non, désolé, tu peux pas me la faire. Je suis douée avec les visages, et je reconnais pas le tien. Vas-y, mets-toi à l'aise, le nouveau. Pourtant, en termes de date stealth, ça fait quelques mois que je viens vendre, mais bon, bref. Ouais. T'es au bon endroit, alors. Super. Ouais, ils vendent du vin. Ouais, elles vendent des gobelets, mais qui sont remplis. C'est fou, ça. Qui vend des gobelets qui sont remplis? C'est bizarre. Moi, je vends des gobelets qui sont vides, madame. Vous voulez pas acheter des gobelets qui sont vides? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Voilà. Au revoir, madame. À la prochaine. En fait, leur quartier marchand, il est particulièrement nul. Hein. Attendez, est-ce que je suis léger? Non, je suis trop lourd. Il est particulièrement nul parce que... il y a littéralement un seul vendeur de pièces de vaisseau, le reste c'est que du vent. Non, vendre. Ne connais pas, madame, je vais pas vous acheter des trucs alors que je pèse déjà une tonne. J'ai besoin de votre puissance financière, la bonne dame. Elle est stylée, hein, cette combi. Hein. Elle est stylée. Elle est stylée, mais elle est un peu nulle. Désolé. Mon armure de lucée, en même temps, elle est assez ouf. Le casque est intéressant. Le casque est intéressant. Tout en thermique et en radiation. Et c'est quoi les bonus dessus? La consommation d'oxygène, refroidissement liquide, 25% de résistance thermique. Ouais, non, bon, vas-y, hein, voir le... Ah, pas de chichi, faut nettoyer. Faut nettoyer dans les coins. La tenue de Binner, ouais. Faut vraiment nettoyer dans les coins. Ah, elle a pas tout acheté. Elle a pas acheté la drogue. C'est pas ce qui pèse le plus lourd. Nous, on va vendre ce qui pèse lourd. L'alu, tout ça, j'aimerais bien en vendre. De l'hélium, du nickel. Du nickel, j'en ai pas mal. Ça serait quand même cool que j'en vende. Du plutôt. Je cherchais plutôt du plomb tout court, voilà. Alors du plomb tout court, ça j'en ai, je sais. Et puis au pire, c'est pas comme si on n'en trouvera pas. Dans les diverses. Eh ben... Faudrait alléger ma peine, madame. Je cherche une bonne âme pour alléger ma peine. J'ai un peu de budget de préférence. Il lui reste même 1200 balles. Attendez. On va même pouvoir aller voir Fifi derrière. Merci là. De votre venue. Toi. Je suis pas allé sur Mars depuis un bout de temps. Je ne porte que les trucs chers. On a toujours pas communiqué non, ensemble, hein, d'ailleurs. Un de ces quatre, on se posera pour cause. Hein, c'est toujours prévu. Alors, tout prendre, non. C'est un peu la solution facile. Les casques. Ah ouais, je lui file du lourd. Hein. Ah ouais, on va payer. Hein. On va payer pour nos péchés, hein, croyez-moi bien. Tout prendre. Oui, non, ça va tout prendre, je sais comment ça va tout prendre. Y'a du plomb aussi dans ton matos? Parce que ça... Ouais, y'a du plomb. On va vendre le plomb. Et puis il va falloir aller voir le fabricant de vaisseaux, parce que là, moi, un vaisseau qui ne supporte aucune cargaison, ça me saoule. Hein. Jeter un œil. Oui. Ah, vous avez beaucoup de combinaisons spatiales, hein, à ces temps-ci, j'ai l'impression. Hop, combi. Sac. Casque. Il ne reste plus grand-chose. Ça, c'est lourd. C'est hyper lourd pour moi, ce truc.
Il reste 241. Ouvrons ça. C'est le même poids. Et celui-là. Voilà. Il vous reste 10 balles Bamandam. 10 balles ou Shrambal. Depuis l'inventaire du vaisseau, il y a quoi? Il y a un divers. Ah oui, les œufs. Les ressources. Moi du plomb. Trouve-moi du plomb. Du plomb. Ah, j'en ai 30. Ça va, c'est bon quoi. Bah 10 balles de plomb, hein, si on peut lui faire 10 balles de plomb, voilà, c'est magnifique. Hein. Voilà, c'est beau. Voilà. Merci pour vos achats chez Jamison Mercantile. C'est incroyable ce coup. C'est qu'amélioré pour contusion. Ah, ma contusion va meilleure. C'est bon ça, ça on adore. Merci d'avoir. Bonjour. Bien. Certainement. Prenez votre temps. J'aimerais voir si je peux te vendre, voilà, la drogue. Tu t'achètes la drogue ? J'avais encore ça sur moi. Depuis l'inventaire du vaisseau, il n'y a rien que je peux lui vendre. Il nous reste un marchand à voir. Et après on pourra directement se TP à l'autre bout du monde. Ah non, pas se TP à l'autre bout du monde. C'est finalement, est-ce que c'est pas l'épisode où je rajoute du cargo à fond comme un gros sourd sur... C'est pas le quartier commercial Resident Evil. Je sais même plus c'est le... Je sais même plus c'est quel quartier où il y a la loge. Je crois que c'est quartier commercial. Je suis même pas sûr. J'ai vu que d'ailleurs il y avait un sous-niveau hein, dans cette cité. Il y a vraiment un niveau genre obscur avec les canalisations et tout. Tu passes de Mass Effect à métro. De salles, de ambiances, hein, c'est comme ça. Donc ouais, là l'objectif c'est d'aller vendre les combis et vraiment alourdir le vaisseau pour qu'il puisse stocker plus. Hein. Moi je veux pas le savoir là. Faut que ça stocke. Sidonia est une ville industrielle. Ses habitants sont plutôt du genre. C'est décidé. Ouais, normalement c'était Tams. Ah, en fait c'est le même endroit, c'est juste que... quartier commercial, non c'était de l'autre côté, hein. Ce qui nous intéresse c'est de l'autre côté je crois. C'est par là-bas. Ah mais je suis déjà en train de mourir. Reliant, ouais, le médico j'ai peut-être pas besoin de le voir. Ah oui c'est chiant. À nager ça fait forcer de ouf. Ah c'est parce que je suis toujours en surcharge, évidemment. Quelle question. À quoi par là? Quartier résidentiel. Ah oui j'ai toujours pas mis les pieds. C'est pour ça qu'il est en gris. Pour aller le voir ceci dit hein. Donc notre dernier vendeur, c'est pas CJ, c'est lui là-bas, Outlands. Alors il y a une petite esplanade aussi au-dessus qui est quand même assez stylée. Alors, pour accéder au bas quartier, si jamais vous posez la question, parce que j'en parle depuis tout à l'heure, c'était vraiment dans la zone portuaire là, entre le magasin de café là et la fille qui achète tout pour le coup. Au fond du couloir, vous avez un vieil ascenseur tout pété. Voilà. Être, vous savez sans doute déjà qu'en matière d'armes. Jeter un œil. Ah, c'est peut-être pas elle que je cherchais. Vendre. Mais du coup, t'achètes que des flingues. Bah, achète pas de grenade. Voilà. Munitions, y'a rien que je veux te vendre. Les munitions, ça pèse zéro. Hors de question que je te vende. Ah, par contre, peut-être t'acheter ton fusil cette de port. Hein. Vous avez prouvé que vous preniez de bonnes décisions. C'est ce qui me plaît chez vous. Super. Jeter un œil. Ma contusion s'améliore.
Formidable. Ton top deck, c'est ça. Ah oui, mais ça fait que du 31, c'est pourri maintenant. Mais qui veut se balader avec du 31? Non mais madame, c'est pas sérieuse madame. Madame, vous déconnez. Et vous vendez même pas de grenades. Quelle honte. C'est qui déjà le mec? C'est peut-être Jace du coup qu'il faut que j'aille voir. Je crois pas. CJ, je crois que c'est de l'arnaque. Il a rien, le gars. Le gars est moins intéressant que tout et n'importe quoi, je crois. Ah non, ça c'est Centurion Arsenal. Ah, il est où le Outlander? Mercury Tower. Oh, le resto Chunks. Du coup, j'y ai jamais mis les pieds. Ouais. La Pioneer Tower, ok, si tu veux. Ouais, ouais, super. La tour des pionniers. C'est mignon. Hein. Quartier résidentiel, lieu découvert. Wouh, oh, je vais gagner de l'XP pour ça. Eh, vraiment, je suis passé 50 fois là-bas, là. Je te défends. Lornier sur son flingue pourri là. Et juste j'étais jamais allé jusqu'au métro, donc j'avais jamais découvert l'endroit. J'ai pas pris les informations là les choses, hein, les quêtes, les petites quéquettes sur. On va aller voir si Jace, mais ouvert 49h sur 49h. C'est assez rigolo comme détail, ça. Ah, donc lui, c'est le mec inintéressant. Entrez, jetez un œil. La boutique de Curtis est toujours... Pas de problème. C'est un plaisir de vous être utile. Tu vends de la drogue. Et tu n'achètes donc que de la drogue. Ah, tiens, achète de la drogue. J'en mets. Kit d'urgence. 100% des plans en 5 secondes. Achète de la drogue. Depuis l'inventaire du vaisseau, il y a des soins intéressants. Ouais, mais c'est que des trucs que je peux être amené à utiliser. Avec des pansements, d'ailleurs, au passage. Super, mec. Merci. Bonne journée. Alors, tu sais quoi? Tu me fais pitié, je vais t'acheter un pansement. Ouais. J'en ai plein dans mon vaisseau, mais vraiment, tu me fais pitié, je vais t'en acheter un. T'as pas un pansement, là? Allez, je file un pansement. Attends, il y a une liste, le gars, aussi, là. Et gros, si tu veux que je t'achète un pansement, tu fais un effort, s'il te plaît, hein. Il a rien. Et le mec, c'est un grossiste de la dope. Il vend du café. Et une baguette. Là, c'est... Merci pour la visite. Là, c'est parce qu'il y a des Français qui ont posé le pied aussi. On posait le pied sur votre site, là. J'ai trouvé ça où, moi? Le dernier gars qui vend des flingues, je sais plus où est-ce qu'il est. C'est le Outland quelque chose. On peut... voilà, montre-moi une carte. Tac. Qu'est-ce que machin? Tu montes que les quartiers. Il y a des éclipses. Ouais, tu montes pas les commerces. Ah, ça m'embête un peu, ça. Ou alors je l'ai peut-être passé. Genre il est derrière la clinique, genre par là peut-être. Rien du tout, le vendeur de staff, la clinique. Outland, on le voit, il est là. Il est de l'autre côté. Tain, le magasin que je cherchais depuis le début est de l'autre côté. Ouais, ouais, j'ai plus d'oxygène. Ouais, ouais, je vais mourir. J'ai bien compris l'idée. Ça a une gueule quand même, hein. Il est dangereux. Wow. Oh, je suis tellement crevé que les textures se sont barrées. Je suis tellement épuisé que je ne vois plus les textures. Ah, là, le jeu qui a été malheureusement codé avec tellement le fiac. C'est dommage.
votre site. Voilà. Jamais je ne vendrai du matériel médiocre. Oui, je vous en prie, jetez un coup d'œil. Ah, la contusion a guéri toute seule. C'est bon, ça, c'est beau. Flingue, il n'y a plus rien à vendre. Combi, il n'y a plus rien à vendre. Ça, il n'y a plus rien à vendre. Il y a encore 3-4 casques à vendre. Ok, combi, on est bien d'accord. Ok, il n'y a plus rien. Tenue, c'est bon. Les notes. Est-ce qu'on a des doublons? Voilà. Voilà. Parfait. Les divers, j'ai plus rien. En ressources, j'en ai encore. Ouais, mais en fait, ça, je peux pas le vendre. C'est depuis l'inventaire du vaisseau, j'ai peut-être des cochonneries. Alcan, alu. Ah, j'ai pas mal d'alu. Donc, l'alu qui est sur moi, je vais le vendre. Aluminium. Alors attends, c'est marchand vendre depuis. Non, non. Je veux vendre depuis moi. Voilà. Je veux vendre 10 bouts d'alu. Mais 22 bouts d'alu. Excusez-moi, j'en ai un petit paquet. Le benzène, le machin, le tout ça, je vais garder. Hélium, je dois commencer à en avoir pas mal aussi. Je vais en vendre un petit paquet. Voilà. Nickel, c'est extrêmement précieux pour les armes. J'ai vu que ça en mangeait quand même pas mal. Donc je vais rien vendre. Et bah écoutez, à moins de vendre encore plus de flingues, ce qui peut se faire, hein, c'est un peu triste. Je pourrais vendre un couteau. 22 dégâts, c'est devenu un peu honteux. Ça, c'est 17, c'est pas fou. Mais ça pue plus de bien, quoi. 10% de dégâts supplémentaires contre les humains. J'ai vendu le couteau, j'ai plus de couteau. Voilà, j'ai abandonné le style de la street. Je me suis rangé, je suis devenu un vrai concitoyen incroyable. C'est bon, on peut marcher. Ouh, on peut marcher sans mourir, c'est excellent. Hop. On va refaire les raccourcis des flingues d'ailleurs. Parce que du coup, ça c'est en quoi? Ok, c'était pas en 1. Le fusil de papa. C'était en... Je vais le mettre en 3. En vrai, je devrais même pas le mettre en 3. J'aurais te mettre 3. Toi en 3. Toi en 2. Ou inversement. Parce que j'ai mis la découpeuse sur le 1. Ouais, bon, vas-y. Et ça sur le 4. Alors lui, je lui ai rallongé son canon. Voilà, normalement ça lui donne plus de précision. Quelque part plus de portée aussi. On est pas mal. Assemblage de vaisseau. Let's go pour le spatioport. Le spatioport. Ah, on aurait pu beaucoup mieux courir. Port spatial. Spectre de texture. On va te regarder en haut. Vous n'avez rien à vendre? L'autorité commerciale achète de tout? Leur comptoir est juste là. Et voilà notre nouveau capitaine. Bien sûr.
Je vous en prie. Let's go le modifier. Pardon, j'ai ça moi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Réacteur de classe A. J'ai un baïonnette Eclipse. Bon, je savais même pas. découpe des choses. Il a une petite gueule, hein. C'est quoi ce machin ? On sait pas. Il a une petite gueule, hein. Je sais pas trop à quoi il sert, mais... Je crois qu'il a un soi, hein. Ça, c'est la merde que je me balade. Je connais ça. Je reconnais ce machin, c'est le mien, il n'y a pas de problème. Et donc, il n'y a que deux sous ta bagage. Ce qui est un vrai problème, évidemment. Tac. Ah. Ça. Ah. Ajouter. Pas des armes. Non. La cargaison. Mais ça, j'ai pas le droit parce que je crois que faut être un mec bien, genre pour avoir le droit d'utiliser ces trucs-là. Ça dépend, ça stocke du combien ? 68. 64. Pour 1500, c'est les sous de caravelle. Et 68, hein, on peut stocker un peu plus avec la Stormax. La Stormax, la finesse. Un max de finesse. la Stormax, et je crois que pour les retourner, c'est Z. C'est ça, c'est... Voilà. La Stormax. Si vraiment tu es le genre de mec à stocker un max. Parfait. On va s'ajouter deux petites caravelles des familles. Parce qu'on aime bien l'esthétisme, après tout. Voilà, on est comme ça. On est comme ça. Et mais tu me l'as placé dans le bon sens. Tu me l'as placé dans le bon sens. Du moins, je suis pute, hein, j'espère. Et ma mobilité est abstraite, c'est ça ? Mm-hmm. On s'en fout un peu. Hein. Ah oui. Voilà. Ma mobilité est parfaite, là. Je ne souffre d'aucun défaut. Trois erreurs. Ah. Bon, peut-être que je souffre de quelques défauts. Vérification de vol. Le vaisseau a des modules non fixés. Ah bon. Ne possède pas assez de trains d'atterrissage. Ah bon. Poussée d'astroportation insuffisante. Ah bon. D'accord. Non, non mais retour, non mais d'accord. Non mais ferme là. Bon, ça, tu supprimes. Bon, si on dit ça, je le supprime aussi. Est-ce que ça te va? Parce que déjà, tu vas mieux. Il n'y a plus qu'une erreur, d'accord. Quelle est-elle? Le vaisseau a des modules non fixés. Ouais. Moi, je veux bien. Lesquels? Moi, je veux bien que tu me dises qu'il y a des modules non fixés. Est-ce que tu peux me montrer lesquels? Parce que... Sinon, je prends ça, je te le R ici. Ça, je te le R par là. Je le remets devant par ici, si vraiment ça auquel tu tiens. Il y a toujours une erreur. Donc, c'est pas ça. Moi, je vais pousser les fusées vers l'arrière. Je vais ramener les modèles en contrebas. Qu'est-ce qui est pas fixé? Non, pas ça. C'était Z pour le tourner. Qu'est-ce que t'as de pas fixé? Je veux bien, mais t'as l'air de me dire que si, tout est fixé. Moi, quand
Je regarde ça, je vois que tout est fixé, hein. Je vois rien de rouge à côté qui traîne, ni sur la grille, ni nulle part. N'oblige pas à refaire tout un vaisseau, vraiment, s'il te plaît, le jeu. Mobilité faible, réutiliser la masse totale et ajouter des moteurs pour améliorer la mobilité. C'est hors de question qu'on fasse ça, mec. On fera jamais ça. Tu es fou. Tu es fou. Tu peux me montrer les modules non fixés ? Il veut pas. Hein. Pourquoi tu veux pas ? Pourquoi ça marchait avant et là ça marche plus ? Genre si j'enlève ça. Il y a toujours une erreur. Erreurs parce que j'ai plus de réservoir. Ça, hein. Nombre de réservoirs de carburant minimum, ok. Pas de module d'amarrage, normal. Module non fixé. J'ai toujours un module non fixé, hein. Je sais pas lequel c'est. Hein. Deux erreurs. Ok, annuler les modifications. Ok, on reprend donc le vaisseau de base. Ça, c'est le vaisseau de base, il marche. Ça, c'est... Hop, on va dans le constructeur. Il y a une erreur. Ça, c'est pas fixé. Voilà. Juste le jeu qui bug. Merci les mises à jour. Lourd ma gueule. Donc, on va s'ajouter les deux cargos que je voulais m'ajouter. Hop. Oh vas-y, je vais les ajouter comme un gros sac ici. Non, peut-être pas. Ça ajoute combien de stockage, ça? Cargaison 320. Ah oui, mais je crois que ça valait pas le coup. Attends. Attends, je vais les vérifier. 300. Ouais, 320, tu stockes rien de plus. Tu passes à 68 de masse. Oula. Non, toujours pas, non. Mais voilà, toujours plutôt comme ça. Je vais me remettre des caravelles, après tout on était parti pour du caravelle, on va rester sur du caravelle. Et si j'avais bien lui donné un petit effet de... Mais... Dégage connard. Un petit effet de... Mais... C'est pas possible ça. Mais ça suffit, qu'est-ce que c'est de... Qu'est-ce que c'est... Mais arrêtez. Mais arrêtez. Mais arrêtez tout. Voilà, un avertissement. Oui. Un deuxième assassin pour ajouter des moteurs puis améliorer la mobilité. Non mais ça c'est pas important ça. Quitter. Non mais accepter. Oui bah il y a aucune mobilité. Bon on s'en fout, on est un porteur. Voilà, là on pèse. Là ça pèse. Vous voulez que ça pèse encore un peu plus? Attendez, je peux ajouter ça. Bougez pas, j'arrive. Ajouter des petites caravelles là. Voilà, on peut s'en ajouter une petite là. Je l'ai vu là. Voilà, quel avertissement là. Vraiment, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi. Moi je vous le dis. Hein. Si je vous le dis, c'est que vraiment, en mauvaise foi, je m'y connais. Hein. Voilà. Là, c'est parfait. Comment ça, il y a deux erreurs? Non, attendez, excusez-moi, c'est pas possible. Arrêtez. Quoi? Poussée d'astroportation suffisante, nombre de trains d'atterrissage minimum. Ah ouais, là, on est vraiment devenu. Bon, là, à un moment donné, le jeu nous a dit arrête, t'es devenu une vache. Devenu la vache de l'espace, quitter, très bien. Améliorer le vaisseau, ça fait longtemps qu'on l'a pas amélioré. Est-ce qu'on peut améliorer nos soutes de... Non, on s'en fout, catégorie suivante. Les moteurs. C'est quoi ça? Un autre moteur. Ouais, ça s'améliore pour combien ça? Ça améliore. Ça améliore encore? Alors, on peut continuer à l'améliorer comme ça, tant que j'ai de l'argent. Ok, j'ai une facture à 15 000. Okay. Non, le bouclier, ça sert à rien.
Arrêtez. Astromoteur. C'est quoi l'intérêt de l'améliorer? Poussée d'astropor. État des astromoteurs. Aucun intérêt. Alors si peut-être, si vraiment il m'oblige à bouger mon cul, pareil, d'énormes trucs. Le réacteur. Ça, le réacteur. J'ai deux réacteurs. C'est New Age, hein. Je crois que j'avais le droit qu'à un seul réacteur. Celui qui est dessus, hein. Arrêtez les conneries, hein. Le canon molaire. Ouais, non, mais non. On a aucun intérêt. Quitter. Confirmer la modification. Ouais, vas-y, on paye, hein. Vas-y, on paye. Parce que comme ça, avec un peu de chance, on peut aller dans le constructeur de vaisseau. Voilà. On peut reprendre mon camion de l'espace. Voilà, mon bon gros camtar de l'espace, là. Vous le sentez comment, mon camtar? Ouais, pas mal, pas mal. Est-ce que ça tient un deuxième? Un petit deuxième, là. Aïe, 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 aïe. Ça tient toujours pas. Bon, on a fait des modifs, on sait pas trop pourquoi. Mais bon, on l'a fait. Ok, on va quitter. Voilà. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. C'est bon, tu me les as ajoutés, mais... c'est pas le bon camion. Mes excuses, votre majesté, mais c'est pas le... c'est pas le... Capitaine, bonjour. Il y a une erreur sur le camion. Excusez-moi, je voudrais changer de... Il faut quelque chose? Bah, et oui, voilà, je voudrais changer de camion, en fait. Mon équipage peut jeter un œil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. D'accord, intéressant. Oui, voilà. Ok, pas de problème. Je voudrais changer camion. C'est bon. Voilà. Définir comme vaisseau principal. Voilà. J'ai juste un baïonnette et ça, hein, c'est ça. Ok. Améliorer le vaisseau, on peut encore améliorer ? Juste pour savoir. Encore. C'est en train de me drainer tout mon fric, c'est notre histoire là. Ok, quitter. Je sais pas. J'ai un doute, hein. Non mais annule les modifs. Améliore le vaisseau et je vais regarder ce que je fais. Je regarde jamais ce que je fais. Oui, bah voilà, améliore ça, c'est très bien. Non, mais ça, non, ça c'est nul. Toujours. Le moteur là. On l'a amélioré ça? Je sais pas. J'ai cliqué, ça a dépensé de l'argent, on sait pas pourquoi. On sait pas ce que je fais. Oui, si tu veux. Tout m'a l'air en règle, je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi. Ah, ça charge le camion, je pense. Je peux avoir un camion si... je vais me téléporter. J'ai pas tout compris, foutez-moi la paix. Bref. Nous, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est ce morceau d'étoile à la con, là. Ici, on a parlé le morceau d'étoile à la con, ici. C'est son petit nom. La zone mine abandonnée. Voilà, c'est là où on va atterrir. On va aller quand même explorer les grottes alentours. Alors, il n'y a pas que ça, je crois qu'il y a un site industriel qu'on voit de loin. Alors, je sais pas si c'est notre site industriel qu'on a déjà exploré ou pas. Mais je crois qu'il y a un ou deux autres trucs, parce qu'on est à 77% de la planète explorée. Donc c'est quasiment bouclé, on boucle tout dans cet épisode, on parle plus jamais de ce caillou. Les niveaux sont bons, intégrité de la combinaison normale, j'espère que ça vaut la peine. Donc on voit la carte de la surface. On voit encore les grottes, qui ont été explorées. Et on ne voit pas celles qui n'ont pas été explorées, d'accord. Tac, tic, tac, tac.
Non, ça veut dire qu'on l'a déjà vu. On pose de nous téléporter, c'est qu'on l'a déjà vu. Et je m'en fous de ta Sarah Morgan à la con. Gazoduc abandonné. C'est ce qu'on a déjà exploré. Donc il nous reste plus qu'à nous barrer dans le truc qu'on voit pas, là, par là, là, voilà. Ici, là. Ok, je n'ai pas encore découvert cet endroit. Ça doit être... ça, si ça c'est le nord, ça doit être genre par là. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à peu près ça. Grosso merdaille, c'est ça. Ok. On s'est toujours pas reposé, on a toujours rien fait. Il est là le vaisseau. Ouais, ouais, il est là le vaisseau. C'est con, on va aller pioncer un coup. On n'est pas dans notre meilleure forme. Hein. On va pas durer dans cet état-là. Hein. Avant, vous fendiez des cailloux dans ce genre de complexe minier avec vos amis poudreux, c'est ça? Moi, comment ça parle avec une condescendance de parisienne? Dans cette armure avec ce casque, hein. Ça le fait. Hein. Disons qu'on a envie de me prendre au sérieux, je le sens. On va pas le déranger. Hein. Je suis sûr qu'il est très bien ici. Ça, je regrette, désolé. Non mais pourquoi? Ah, c'est bon. J'ai un lit quelque part. Ouais. Oh mais non, bouge. Je me demande où tout cela va nous mener. Bye bye. Je vais juste dormir une petite heure, hein, histoire de récupérer 100% de ma santé. On a des choses à faire. Ouais, bah on y va. Hein. Du coup. Hop. Alors, on a tout vu. Froid ambiant extrême. Nous souffrons du froid. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de partir dans cette direction-là. Doit être à peu près un peu plus à droite de espérons de sa qu'il position. N'y a rien de radioactif dans cette mine. C'est vrai. On pourrait souhaiter ça. Il est vrai. Il me dit le pourcentage là-dessus. 79% de la planète explorée. Ok. Bon, on a bien bossé. De l'eau. En vrai, la découpeuse, je peux la virer de mes raccourcis d'armes. En vrai, pour notre pur confort, je pourrais le virer. Et je vais faire ça. Hop. Je vais donc te mettre B1. B2 et B3 et la découpeuse, bah y a pas besoin. Alors
normalement le jeu est plus fluide avec moi de mon côté, déjà c'est plus fluide, et c'est plus fluide depuis que j'ai viré la synchronisation verticale. Par contre ça souffre hein. Il se flingue un peu rétro avec son manche en bois. Rigolo. Oh, le fusil de papa du futur. Il y a une petite amélioration au-dessus là quand même. Un repère naturel plus autre chose. Ok, vaisseau en vue, site d'atterrissage. Repère naturel et l'autre, je le vois toujours pas, c'est marrant, il y a un inconnu qui est sur mon radar alors que je le capte pas quoi. Et j'ai dépassé l'endroit où normalement j'aurais dû le voir. Mais, ou tout du moins j'étais à hauteur de l'endroit où j'aurais pu l'identifier. Au moins le percevoir. Alors est-ce que je vais gagner un nouveau vaisseau? Si oui, il va falloir commencer à penser à les vendre. Hein. Repère naturel, c'est intéressant, effectivement, à porter. Tiens. On va peut-être trouver finalement nos derniers points d'intérêt. Je me disais, il y en a tellement sur cette planète que 79 avec 1, ça me paraît bizarre, je pense que... Et vu qu'ils aiment bien faire un point important, visible, avec plusieurs points mineurs autour, je pense que lui, là, l'emplacement de son vaisseau va nous en révéler d'autres. J'ai l'impression d'avoir déjà le même à la maison, et même pas en jaune de Damas. T'es un régulier ? Excuse-moi, je... Oui. Oh, c'est génial de voir quelqu'un d'autre ici. On est à court d'eau. On aurait bien besoin de quelques bouteilles. Il y a peut-être de l'eau potable dans le coin. Oui. Si vous en trouvez, ça nous serait très utile. Ok. Attends, j'ai de l'eau sur moi. Quoi ? Tu es colon 1. Félicitations. Bonjour, colon 1. Excusez-moi. Tu es colon 2.
Alors, dans les alentours, qu'est-ce qu'on voit? On a le fameux repère naturel de ces morts, on va aller le voir. On va pas visiter votre vaisseau, je pense qu'il y a rien d'intéressant à voir dedans. Alors, absolument rien d'intéressant du tout. Voilà. Combien? Ah, ça y est, on voit un repère inconnu. C'est une structure genre militaire, ça a l'air d'être genre... genre ça a l'air d'être extra-militarus. Mon anus. Ou un truc comme ça. Et ça nous a toujours pas révélé l'autre qui est de l'autre côté, qui est là-bas. Il y a une vaste structure. Il y a l'autre, pareil, il est pas visible. On va aller le chercher. Le repère naturel. C'est une grotte, ça? Ou c'est une texture qui manque? Ça a l'air de... ça a l'air d'être juste un trou, quoi. Cratère recouvert. Ok, 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 ok. I can see the people. C'est de l'uranium. Ça se ramasse comme ça à la main, l'uranium. D'accord, c'est intéressant. Bah. Mettez, je ramasse votre uranium. Et un tas de cailloux. C'est sympa, hein. Et d'autres morceaux de... un morceau de cuivre qui traîne comme ça par terre. Je prends hein, 5 kilos de cuivre comme ça à bout de main. Toujours sympa, quoi. Ok, ok, bon bah... c'est un trou, quoi. C'est joli, en tout cas. C'est mignon. De l'eau. On va peut-être pouvoir aller retourner voir les galériens. Si on a plus d'eau. L'autre repère là-bas, je le vois pas, quoi. C'est pas bien. Ouais. Que ma chemin direct détecté, ok. Allons voir cette structure là. Ah, ça promet encore un épisode de plus à combattre les mécréants, les méchants, les maudits. Et vraiment, hein, on sent que ce jeu, c'est vraiment compliqué parce que le vaisseau sert vraiment que de téléportation. Les longues phases de marche à pied, en fait, si on se dit, si on se téléporte vraiment d'un point A à un point B tout le temps, mais tu raccourcis au moins de la moitié le temps du jeu, hein, parce que je passe au moins la moitié de mon temps et je suis surchargé, mais sinon à courir comme un débile d'une structure à une autre. Ah, mais il y a encore un autre truc derrière. Vous pouvez faire en sorte que ce truc indique le resto le plus proche. Bah non, mais à première vue, ça indique les bases militaires les plus proches. C'est rencontrer les bases militaires près de chez vous, là. Si vous aussi, vous êtes un gros vaisseau d'exploration, on veut trouver la base militaire abandonnée de votre choix. Je suis pété la gueule là, vraiment. Ça rame, ça rame, ça. Il y a des grosses plateformes pétrolières qui comptent pour rien dans le... c'est très étrange, ça. Tant de structures qui comptent pour zéro, ça m'étonne beaucoup. Officiellement, le seul point d'intérêt, ils sont là-bas. C'est-à-dire que toi, petit vaisseau, ou petite structure, quoi que tu sois, action énergie,
compte pour zéro, mon petit pote. Ok, oui, ça compte pour zéro. Bah, c'est intéressant. Non, pas du tout. Ah, ça compte vraiment pour R. On va arrêter de se poser des questions, on va aller les voir. On va discuter, hein. Oui. Ça fait longtemps que j'avais rien looté comme merdouille. Ok, c'est délabré, il s'est passé des trucs. Merci pour le sirop, les gars. Des culs. Attendez. Ah, c'est le moment de tester le petit nerveux là. Attendez. Trois cartouches, le problème est réglé. Enfin, une cartouche par bonhomme, le problème est réglé. Ok, moi c'est juste des gens qui sont venus faire leur petit test d'entraînement versus droïde au milieu de nulle part. Ça nous va, hein, tant qu'ils nous laissent un peu de matos à gratter, à manger. C'est pas très regardant, hein. Et pas comme ça, hein. Bon, après, on pourrait attaquer ces militaires, hein. Mais je pense qu'on serait recherché. Au fond, marine de Lucé. Ah ouais, mais c'est des gars de Lucé. Oh, on va pas attaquer des marins de Lucé. C'est pas très poli, hein, d'attaquer les frangins. On tire pour tuer et pour vivre. Non, mais je vois, hein. Je vois qu'il y a une... Ouais. Bon, je regarde un peu partout, je m'aventure, mais ça a l'air d'être vraiment le minimaliste. Ouf. L'organisme de mon bonhomme n'a pas apprécié du tout. Quoi ? Je suis en surcharge là ? Ah, peut-être en surcharge, c'est pour ça. Ah, je suis en surcharge évidente. Ok. Ok, je suis déjà en surcharge, quoi. Ok, c'est parti. Et c'est quoi ce jeu où tu ramasses trois conneries, t'es trop lourd. Les grandes espérances. Chapitre 1, le nom de famille du père Pirip. Ah ouais, non, c'est bon, on connaît déjà. Oh là là, on connaît. Ah, du savon. Oh, je vais enfin vendre des contenants pleins. C'est vraiment ça ma vie maintenant. C'est de devenir un vendeur de contenants pleins. C'est vraiment pas... Et du coup, non usagé, c'est-à-dire même pas réutilisé. Ça me fait étrange d'évoluer. Je suis pas prêt pour ce business, ça va trop vite. Ça va trop vite. Moi, le ménageur, voilà. Je suis certes un personnage du passé, bien que du futur. Tout ça de fouillis que vous transportez vous ralentit sérieusement. Ah oui, ma bonne dame, et... C'est grâce à ça qu'on se paye des améliorations de vaisseau, hein. Sans avoir besoin de réfléchir, hein. Grâce au lobby du gobelet vide usagé. Une activité économique... Alors, certes, très manuelle. Faut aller le chercher, faut le ramasser à la main. Tout ça. Bon, je comprends. Mais particulièrement lucrative, hein. Ne vous en déplaise, les matériaux plastiques complexes, visiblement, c'est devenu très ok, hein.
Un néon et la culture des gangs. Un chant de Noël. Et une colonne à Michael Bay. Que des trucs qu'on a déjà vus. Y'a rien à lire. Y'a rien à lire. Y'a un plumard pour dormir. C'est très bien ça. On va sûrement se faire la petite pause de récupération de PV vite fait. L'astronome érudit. J'ai entendu le savant astronome, j'ai vu les formules, les calculs en colonne devant moi, j'ai vu les graphiques et les schémas pour s'additionner, diviser, tout mesurer, j'ai entendu de mon siège le savant astronome finir sa conférence sous les applaudissements. Et soudain j'ai ressenti un étrange vertige, une lassitude infinie, alors je me suis éclipsé sans bruit. Je suis sorti, seul dans la nuit fraîche et mystérieuse, et de temps à autre, dans un silence total, j'ai levé les yeux en direction des étoiles. Le poème de Walt Whitman, j'ai entendu le savant astronome, bien qu'il ne fasse qu'une strophe de long, résume parfaitement le dédain qu'inspire à l'auteur les analyses scientifiques trop poussées de la beauté de la nature. D'accord. Si tu veux, mec. Moi, je suis pas là pour contrarier les gens. Moi, je suis là pour dormir une heure. On est comme ça, on dort une petite heure. Puis toi, porte des trucs. Je suis pas allé sur Mars depuis un bout de temps. Et changeons d'équipement. Vous avez quelque chose pour moi ? Bien sûr. Tas de choses même. Depuis mon inventaire. J'ai encore des sacs, des trucs, mais j'ai tout le temps des. C'est insupportable. Hein. Allez, je te fais tout le bazar là. Ça part, hein. Ça part. On doit avoir un peu de masse aussi là-dedans. Hein. Force d'avoir des zéros quelque chose, mais on finit par avoir des choses qui pèsent. Ah, elle est devenue trop lourde, c'est ça. Ah, c'est dommage. Ah, y a pas un 0-10 qui se balade? Non, y a rien. À bientôt. Ok. Bon, finalement, on n'est pas trop mal. Alors, il nous reste deux tas de ferraille à vider. Un tas de ferraille, puisqu'on a fait les deux chiens. Il reste toi. Voilà. C'est bouclé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de partir vers l'autre structure militaire. Je ne vois pas où est-ce qu'elle est, d'ailleurs. Non, parce que le jeu est en train de me dire il y a deux structures militaires au même endroit. Il y a de la structure militaire au réception. Ah, lâche-moi le jeu. Ça a l'air d'être le cas. Explorer. Ok, bah c'est tout est fait. Super. Y'a rien à voir autour. Donc, partons vers le sud. Parce qu'on dirait le sud, hein. Pouvoir crapahuter là-dessus. Deux pauvres bidons à la con. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a au moins une boîte qui nous a été posée ? Rien du tout. Juste des trucs. Et là, c'est dommage parce que vous vous dites franchement, en vrai, tu poses toi ta colonie sur ce caillou. Bon, il y a de l'eau. Il y a du plomb. Les gens racontent que le plomb est un matériau de construction. Et tu te dis, bah là, la plateforme pétrolière là-bas, qui est pas indiquée sur ma carte, elle est utilisable et réutilisable. Hein. Peut-être qu'il reste une goutte de pétrole ou deux, tu vois. Ou au moins, t'as de la matière première pour pouvoir bosser n'importe quoi. T'as des machines, t'as des pompes. Bon, t'es sur une planète où il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup d'eau, donc tu te dis une pompe. Intéressant. Des outils de forage, il y a un concept. Peut-être t'as tort, hein. Peut-être ça te servira pas plus que ça. Hein. Peut-être pas, hein. Mais techniquement, tu te dis, il y a une idée, quoi. Ah. Il peut y avoir quelque chose d'utile par ici. Merci, c'est une vraie structure.
c'est la fameuse structure qu'on cherchait. La Der de Der. Qui a l'air d'être un vrai truc, pour le coup. Il est où l'autre repère naturel? Il y avait un repère naturel, je l'ai perdu. Vous avez perdu un repère naturel. Ah bah mince. Attends, si. Ok. Ok, oui, il est là. D'ailleurs, en approchant de ça, je vois pas d'autres trucs aux alentours. Il y a que la structure en face. Oh, ça sent les gangs, là. Là, vraiment, les vrais gangs. Sur la gueule et tout, là. Eh ben, les poumons, hein. Moi je dis, ils auraient dû nous mettre une petite moto, une petite bécane volante là, qui te permet de te TP à jumelles, à ping, à ce que tu veux. En déplacement rapide plutôt que de se faire chier à laisser le mec galérer comme ça à pied. Dès que je propose est incroyable, hein, je sais. Je sais que je suis un type incroyable. Ok. Ah mais il y a encore un autre truc là-bas. Oh, c'est intéressant. Ça ne s'arrête jamais. Cette planète ne s'arrête jamais. Alors je sais que c'est un cario en carrefour, blabla, faut t'arrêter, faut explorer, tout ce que tu veux, mais... blabla quoi. Ah, elle a bien pris froid la station. Intéressant. À mon avis on monte par là. Hein. Mais bon. Et ben ça charge. On est retourné à Oblivion. Juste pour qu'il fasse un très beau jeu, parce que le jeu est beau, on va pas se mentir. Rien qui dit que c'est pas parfait, machin ni rien, mais bon, on est quand même sur un monde ouvert, géré en procédural, machin et tout. C'est pas mal du tout. Bon, voilà, les textures sont arrivées. Et on est en mode Oblivion. Quoi. C'est en fait, il y a des chargements. C'est juste qu'on n'a pas créé des zones de chargement. Mais il y a des chargements. Bon, on a trouvé la structure. Parce que maintenant le jeu nous autorise à l'explorer, donc c'est juste une grosse plateforme. Ouais, je pense qu'on peut l'explorer. J'espère qu'on peut l'explorer, parce que sinon c'est honteux. Déjà ton double truc militaire, c'était déjà un peu à chier là. Ouais, c'est bon. On peut monter dedans. Ah, ça c'est intelligent, voilà. Il y a une phase de chargement, mais ils auraient dû mettre une vraie phase de chargement entre le haut et le bas. Voilà. Ça valait vraiment le temps de charger son niveau tranquille. S'est posé à la structure. Ça s'ajoute pas en plus, hein. Ouais.
C'est bon, on a trouvé les bestioles locales. Mangé par des aliens. Tout mangé, tout cru. Compte d'espace-temps, l'œuf de cristal. L'année dernière encore, il y avait non loin des 7 cadrans une petite boutique d'aspect rébarbatif sur laquelle était peinte une en lettres jaunes à demi effacées l'enseigne C. Cave, naturaliste et marchand d'antiquités. Le contenu des vitrines était curieusement varié, elles renfermaient des défenses d'éléphants, un jeu d'échecs incomplet, des verroteries, des armes, une boîte d'yeux, deux crânes de tigre, un crâne humain, plusieurs singes, l'un d'eux tenant une lampe, empaillé et mangé des verres, de vieux meubles démodés, un œuf d'autruche piqué de mouches, des engins de pêche, un aquarium de verre extraordinairement sale et vide. Il y avait aussi, au moment où cette histoire commence, une masse de cristal façonné en forme d'œuf et merveilleusement poli. C'est en 1899 que fut publié un recueil d'œuvres de H.G. Wells qui regroupait trois nouvelles et deux romans courts, L'œuf de cristal, L'étoile, L'homme qui pouvait accomplir des miracles, récit de l'âge de pierre et une histoire des temps à venir. Et des titres super courts, bien sûr. Ok. Ok. Ah, on va se remplir les poches. Ça faisait longtemps, là. Elles étaient vides depuis un moment. Ouais, le marchand d'orchidées, j'ai pas le temps, là. Ah, par contre, il y a peut-être des choses intéressantes. J'avais peut-être pas le temps, mais en fait, j'aurais peut-être dû le prendre. On peut pas interagir avec. Ok. C'est un élément, je sais plus comment le nom du truc, mais c'est un élément quoi. Si vous voulez fouiller, faites vite. Attendez, hein. Le ménageur jusqu'au bout. C'est ici qu'il faut venir faire vos tests militaires, les gars. Hein. Pas sur des tas de ferrailles, hein. Faut emmener des tas de ferrailles avec vous, il faut venir ici. Hein. Non, mais les marines de Lucé au plus grand calme qui sont juste à côté. Bon, allez, on fait un petit exercice de tir. Hein. Allez, on bousille le matos de l'armée. Let's go, c'est parti. On peut pas scanner ces bestioles ? Très étrange ça. Vite, je peux faire les poubelles. Oh, le meilleur jeu de l'humanité, hein. Si on peut faire les poubelles. Oh là, j'ai fait les poubelles. Qui ne peut pas aimer un jeu dans lequel on peut faire les poubelles? On peut pas scanner ces merdailles.
Ah, j'aime pas la lampe torche. Pas toujours pratique la lampe torche, hein. Même si elle y paraît toujours plus pratique, en fait, non. Je la trouve pas tout le temps. Vous portez trop de bric-à-brac. Ah, c'est des détails. Détaille pas, détaille pas. J'ai même pas besoin de flingue. Oh, je suis touché. Bah, t'aurais peut-être dû prendre un flingue du coup. Au lieu de faire ta maline, connasse. Voilà, et c'est fou de phyto. Bah lui, ça on l'a vu, ça on l'a fait. Tac 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 tac. Un gobelet. J'avais passé à côté. Hein. Quand même, c'est un peu triste. Hein. Le ménageur ne laisse rien derrière lui. Un film interdit aux moins de 16 ans. Un film interdit à ceux qui n'ont pas le temps. Film 277 minutes. C'est pas si. Hein. Ce qui est pas tant hein, non plus que ça. Hein. Bon, ça fait quand même. C'est moi que d'aller regarder la totalité des Seigneurs des Anneaux, mais quand même, hein. Ça... Regarder un mec faire le ménage. Et buter deux aliens, ça fait un film un peu long quand même, hein, on va pas se mentir. Ça commence à faire un peu longuet, quoi. Merci pour le ventilo portable. Hop hop hop. Ok. Ok. Un dossier. Ok, des godets. Des godets. Des bonbons godets. Un stylo. Un stylo vraiment. Les stylos, c'est incroyable. Ça, les calepins, c'est vraiment. Ou les dossiers, je sais plus c'est lesquels, mais wow. Des deux, c'est incroyable quoi. Coucou Hibou. Coucou. Oh, c'est la suite par là. Quoi? Sœur de nuée. Eh, c'est une grosse suite hein. On peut scanner cette merde. Que je lui ai mis à ta mère. Ok, il reste quoi? Deux sœurs dénuées dehors? Ouh, la balle dans la tête! Ouh, il est beau, hein. Ce calibre-là, il manque quand même des trucs. Décoration des os. Dans toute cette saloperie là, il y a juste un os à gratter. Non mais c'est une blague. Non mais tout ça pour ça quoi. Y'a des choses là-haut ou pas? Là, y'a rien du tout.
y a rien. Y a rien du tout. Trop profond. Voilà ce qui s'est passé. C'est toujours une histoire de creuser trop profond. Ah, ou c'est une histoire de on a importé des bestioles qu'on aurait peut-être pas dû importer. Et on se serait peut-être pas fait couper en deux. C'est l'air d'y avoir d'un peu de ça là-dedans. Ça monte, mais ça m'intéresse pas trop de monter. Parce que je vois qu'il y a encore un étage, on va dire, avec un second morceau de plateforme. Et nous, on n'a même pas fini notre niveau. Hein. Il reste encore des choses à voir dans notre niveau. Alors, les filles, là, il y a que de la blinde sur moi, il y a que du fric. Que du fric, y a rien d'autre que du fric. Qu'est-ce que tu veux que je jette? Moi, je voudrais bien jeter des choses, mais il faudrait que ça vaille rien. Regarde ce gobelet là. Voilà, oh cette tasse quoi. Des cartes à jouer. Tu te rends compte qu'une carte à jouer ça vaut 3 balles l'unité? Non mais ça pèse que dalle hein. Racontez tout ce que tu veux, mais tes flingues et tes armures, elles valent rien. Hein. Ah, des outils, alors ça pèse un peu lourd, je suis d'accord. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment à ça près? Maintenant qu'on a ramassé des flingues, des casques, des slips, des chaussettes. Finalement, est-on vraiment à ça près? Voilà, un petit enduit qui traîne ici, ça fait plaisir. Hop là, on a un autre qui est mort là. Merci pour le flingue. Oh, et des grenades en plus! Peut-être pas laisser traîner non plus des grenades. Je pense que les grenades, en vrai, c'est vraiment ce qu'il y a de plus rentable. Mais bon, c'est rare, les grenades. Tous les explosifs, là, qui pèsent zéro que dalle et qui valent des centaines de thunes. Ou une bonne grosse centaine de thunes, au choix. Et bien voilà, on va continuer sur notre niveau. Il y a encore des choses à voir sur notre niveau. Suzanne Kaufman est morte là-bas. CJ Suzanne Kaufman. Ah mais je l'ai trouvé normalement son cadavre, oui, c'est le... C'est la première fille qui dit au secours, je suis toute seule dehors, machin, blabla. On reconnaît ce style. Boum. Une structure adaptative. Intéressant. Rien dans la boîte de stockage. Je pense que dès qu'on va pousser cette porte, on va en retrouver. Coucou. Ah non, ok. Ah oui, donc nous, on est allé chercher les embrouilles du bon côté. Ok, admettons. Donc on est bon pour prendre un des escaliers. On va prendre celui-là, tiens, face de nous. Allez. Quand même buter un truc. Ça c'est respect. Bon, ils sont beaucoup à être morts pour ça, mais Mais ils se sont battus. Et ils ont gagné à un moment donné. Ah c'est... ok, c'est un manteau, c'est un cervelle que j'essaie de fouiller. La sœur de nuée, ok, un os décoratif, parce que ça fait toujours joli d'avoir des os accrochés dans son vaisseau comme un gros barbare. Pourquoi pas.
sympa comme tout. Sympa le loot, le loot. Ok. Eh bien. Retour à l'escalier. J'avais fait oublier un truc ou deux. Ah oui, c'est la prochaine structure à fouiller. Moi je venais de là, là, c'est la station militaire ça. Ça va être la base militariste. Mère de l'essaim. Eh hey, toi là. Nique ta mère. Elle est tuée, Fada. Fada, au pied, il y a la partie. Moi cette merde. Tu balances des grenades toi. Tu te calmes et tu crèves. Tu te bats contre quoi là? T'es où? Mais t'es où? T'es où? J'ai un gros flingue, ramène-toi. Pratique les escaliers, hein. Bon, je vais arrêter de gâcher les bonnes munitions. Ah, une dernière. Niveau 12. Acquis. Validé. Elle est où la dernière merde, là? Tirer comme un débile avec des gros flingues. Voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Niveau supérieur. Allons donc voir ce niveau. Ce niveau supérieur. Les armes balistiques affichent 10% de dégâts supplémentaires. Ça a l'air un petit peu mignon. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui nous intéresse? Je ne sais pas. Analyse pourrait être améliorée, enfin, en science pour débloquer compétences scientifiques, la zoologie. Ouais, je peux pas te dire. Ingénierie d'avant-poste, dépenser 6 points supplémentaires dans science pour débloquer compétences expert, ok. Construction est essentielle à la survie d'une planète inhabitée, d'accord. D'accord, d'accord. Effectuer 10 sauts en jetpack en combat. Ah oui, je m'en sers pas trop en combat. Sécurité, j'ai toujours pas le droit de l'améliorer. Ouais. D'accord. Bah, y a pas grand chose qui me cause. Bon, après, les flingues, hein, les lasers. Tirer sur des gens. Si, la gastronomie, j'ai le droit de l'améliorer. Vous pouvez mener des recherches et préparer des produits alimentaires gourmets. Bon, bah, voilà. Voilà. Enfin, c'est pas de bonne bouffe, hein. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Bah, on va mener des recherches alimentaires. Faire des trucs, quoi. Et bah, c'est des bonnes saloperies. Elles sont bien designées, quand même, ces petites saloperies, là. Elles sont bien moches. Enfin, tes crabes là. Sont moches tes crabes. Bien joué.
donne pas du tout envie de leur faire des câlins. Bon, après, t'en as qui adorent les serpents, les crocodiles et tout ça, donc... je devrais un peu la fermer, mais... Si vous portez trop de choses, vous devriez commencer à faire des priorités. Oui, bah j'ai priorisé. D'abord, je prends tout le loot. Et après, je regarde ce que je vends. Voilà. Mais la priorité est prise. C'est le nord, ça? Ah oui, bah oui, oui. De toute façon, j'ai l'icône. Je panique pour rien. Je suis en train de les chercher, de me dire, c'est où? Je perds pas la direction, mais... Ils sont indiqués sur ma boussole, même si je les vois pas. Donc, c'est cool. C'est pareil, ça serait bien qu'avec le vaisseau, on puisse vraiment scanner les planètes et pas voir se faire chier à descendre dessus pour aller chercher une grotte, un machin. Ouais, on va rentrer là-dedans, on va faire le tour par là. Ah, access deny. Ok. On n'a pas le droit d'accéder par ici. Est-ce qu'on peut sauter de l'autre côté sans se suicider? Ça me paraît un peu plus compromis. Hein. Par contre, on peut peut-être faire ça. Peut-être attendre là. Et se faire un petit saut. Ah, il veut pas. Il n'est pas très réceptif à ma proposition. Ok, c'est passé. Ouf. J'ai gagné un épais tissu sur cette bestiole. Pourquoi pas. Jean-Luc, tu nous montres tes fesses. Montre tes fesses à la télé, Jean-Luc, c'est pas bien. Il faut trouver un moyen de monter. Alors lui, il était chaud. Hein. Lui au sabre, il était ok. Que vous vous occupiez de ce genre de tâches. Ouais, ouais, t'inquiète, moi aussi je suis content. Il n'y aura rien derrière, ok. Ah! Tout de suite, on a coupé le vent. Direct. On s'entend enfin, en fait. C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que le vent, quand même, casse un peu les oreilles. Hein. C'est appréciable. Ok, ok, ok. Un sac nul. Dans le mannequin, il y a des trucs. Ah, ça a l'air quand même solide ça. Il y a des bonnes résistances dessus. Mais bon, ça part aux vendeurs. Hein. Ça fait kitsch. Les vendeurs ils aiment bien. C'est bien, comme on n'entend plus du tout le vent ici, c'est incroyable. Hein. Alors que la porte est grande ouverte. Fou hein. Ah, l'isolation de la porte, elle est incroyable, les gars. Moi, je vous le dis, hein, si... truc à vendre, là, vraiment, c'est vendre des portes. Hein. Parce que une isolation de porte comme ça, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Alors, la caisse d'armes qui va bien. C'est juste une caisse de stockage, c'est pas une caisse d'armes, je mentis. J'avais espéré, peut-être. Ai-je menti, me suis-je menti moi-même ou avais-je simplement espéré? N'ai-je plus le droit moi-même d'espérer? Hein? C'est compliqué le mot. D'ailleurs, j'ai soif. Une goutte. Petite gouttelette d'eau. Alors, il y a une porte. Bon, d'accord. Avant de faire les portes, faisons les extérieurs. Oh putain,
mais c'est chiant. Franchement, les portes coupent tellement bien le vent, c'est impressionnant. De les voir. Je crois oui. Noir, ça va pas la main. Ville industrielle. Ses habitants sont plutôt du genre concis. On peut ouvrir la porte par là ? Ah oui. Ok. Tac tac. Pourquoi vous embêtez à transporter tous ces trucs? Parce que ça vaut des sous. Et ce qui a payé la cabine, l'étage entier dans lequel tu peux dormir. Et tu l'auras oublié, Fifi. Y'a rien d'accroché au plafond. C'est quoi ça hein? Ah, t'es une turbo imprimante 3D dont on peut se servir. Ah, ils en ont buté plus d'une quand même. Hein. Ils en ont quand même fumé deux. Hein. C'est ça la prix. Grosse, mais ça n'a pas suffi. C'était visiblement un petit peu trop gros. Ouais, on va s'occuper de l'ordinateur juste après. Et ils ont donc quand même fumé. Hein. Il y en a un qui a fait un petit carton quand même. Hein. Allons-y. Panneau d'opération. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau ? Accès au réseau de diagnostic. Erreur, impossible de contacter le réseau de diagnostic. Aucune réponse reçue après 30 millisecondes. Une alerte a été envoyée à l'équipe d'ingénierie. Erreur, impossible de contacter l'équipe d'ingénierie. Super, merci. Merci pour tout. C'est vraiment très utile. Un autre opération de fourrage. Accès au réseau de diagnostic. Tac, 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 tac. Le même destin. Ok. Nous n'apprenons rien. Cosmétiques. Les fluides vitaux, c'est un cosmétique, d'accord. Ce jeu a fait des choix quand même. J'étais pas prêt. Hein. Ok, ok. Ouais, c'est sûr qu'il y a des grenades comme ça. Ah! Qu'est-ce que c'est? Les aventures de Solomon 03. De façon permanente la dégâts des armes infligées pendant la nuit. 5%. Ah. On est un ninja assassin. Oui, non mais attendez, tout ça, ça se ramasse. Hein. On fait 8 tonnes, on va tout ramasser. Hein. Jusqu'à la dernière goutte de pognon qui traîne par terre. Il hein. N'y a pas le choix sinon on loupe les stats. Même déjà comme ça, des fois j'arrive à les rater. Oh,
On arrive dans la partie de complexe un peu chaude normalement. Voilà, on les entend derrière, ils sont un petit peu chauds. Ça tabasse bien hein. Oh putain, elle est dense celle-là hein. Alors je crois qu'il reste une sorte des nuées au bout hein. Ouais c'est pas jojo. Elles sont bien designées ceci dit les salabris hein. Sacré attaqueur. Comment il s'est fait régler? Ça a été rapide. Bon, des fléchettes. On va peut-être enfin avoir le fin mot de cette station. C'est vrai que pour installer une colonie, bon, quand tu tombes sur un truc qui a été attaqué comme ça, bon, moins chaud en fait. Hein. On va peut-être aller s'installer ailleurs. Peut-être parce que bon, c'est peut-être pas les seuls du coin. Hein, je veux dire, faudrait pas réveiller une méga matriarche qui a envie de nous faire les 1. Bon, voilà. Oui, non, on n'a pas fini. Une peluche, mon ami Willy. C'était le coin à jeu de société. Incroyable, les gens sont morts pour ça. C'est terrible. Les aliens les ont attaqués parce que eux aussi veulent jouer à des jeux de société. C'est terrible. Et qu'en fait ils se sentaient discriminés parce qu'ils ne parlaient pas le langage des humains et qu'ils faisaient que des... C'est terrible. Encore des cadavres comme ça. Ça veut dire que tout l'équipage a été tué. Oui. Oui. C'est vrai que moi je me suis avancé un peu vite. Il est vrai. Non mais, sors-moi de là, au secours. Non mais, échappe, fous-moi la paix. Non mais... Voilà. J'ai réussi à piquer le ciseau. J'ai perdu 3 cartouches pour un ciseau qui valait rien. Alors, c'est ça la détermination ou pas? Que c'est pas un peu ça la détermination quelque part? Moi je pense que si. Différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. Je connais pas cette différence, mais je serais intéressé de ne pas la connaître. Arrêtez de voler mes Xenoyaki.
Au voleur de Xenogia qui est arrêté, ils viennent tout droit de Néon. Ma mère me les envoie et vous savez tous à quel point les ravitaillements sont rares par ici. La prochaine fois que je trouve un emballage vide sous un matelas, c'est toute la couchette qui finit sur la glace. Bisous, Sam. Hache de sauvetage, 20% de dégâts contre les... j'ai pas suivi, mais contre des trucs. C'est bien, on finit par les couchettes. Hein. Ça veut dire qu'on va pouvoir dormir une petite heure, histoire de se remettre de la totalité des coups et blessures que nous avons subis. Par des mâchoires aliens sûrement purulentes et infectées, contre lesquelles mon organisme ne possède absolument aucune défense. Mais heureusement, une bonne heure de sommeil, finalement, ça guérit tout, quoi. On s'embête pour rien. Petite heure de somme ? Petite heure de somme. Salut, il est temps d'y aller. Ouais. Ah, une superbe cuisine full équipée dont on ne peut pas se servir. Ah là là, j'ai tellement l'habitude de ce cas de figure. Bah ça y est, fait nuit. Ce par où on veut aller, c'est... Alors il y a toujours ça là-bas qu'on n'a pas vu, l'espèce de repère... Ah si, le repère naturel là-bas, on l'a vu. Ce qui nous intéresse, c'est ça là-bas. Moi, je suis chaud pour tenter une dinguerie. Moi, je suis chaud pour tenter une dinguerie, c'est tout. Ça va. Ça c'est fait. La prochaine fois, utilisez le jetpack. Bah, j'ai utilisé le jetpack. Mais j'ai vraiment genre plus de tout de souffle parce que je dois peser 1,15 tonne. Ah ouais, on a dépassé le double de ce que je peux porter. Ça commence à devenir un petit peu problématique. Bon, il nous reste plus grand chose à tirer, c'est ça qu'il faut se dire. Ça va rester positif. Putain, l'énergie se vide aussi. L'oxygène se vide aussi vite que quand je cours. Parce que quand je suis léger que je cours. Regardez, ça se vide. Ah, sauf que je cours pas. Je marche. Quoi? Et je perds l'oxygène en... Ah ça par contre c'est dégueulasse. Là tu vois, là, je devrais pas perdre de l'oxygène durant le saut. C'est un peu dégueulasse. Ça pendant le saut. Ok, c'est un. Ça, c'est une erreur du jeu, ça. C'est une erreur du jeu, c'est-à-dire que t'as sauté, t'as lancé ton jetpack, mais si. Là, j'ai consommé de l'oxygène en l'air. J'ai rien fait pourtant. Typiquement, tu te laisses porter par l'impulsion de ton jetpack, quoi. Bah, le jeu, il a dit. Il a combien ce machin? 600 mètres, 600 mètres, et l'autre on le voit jamais, hein. C'est le truc que vous ne verrez jamais. Hein. Alors, on avance pas comme ça. Bon, j'ai perdu 7 points de vie. Respirons un peu. Oui, bah courir en surcharge, t'es marrant toi aussi. T'avais qu'à mettre, au lieu de mettre des sacs à dos de jetpack de 8000 techniques différentes, t'avais qu'à nous mettre aussi du stockage un peu, qu'on puisse transporter des vrais trucs. Un robot porteur, vous avez toujours pas réglé ça dans vos jeux, faudrait peut-être le régler un jour. Voilà. Ramage qui se rapporte au plumage, c'est pas cool non plus. Je suis en train de me demander si on se fait pas ça dans un deuxième et dernier épisode, ce que je suis en train de me dire. Franchement, c'est le pays d'où on n'arrive jamais. Surtout que je suis vraiment très lourd, donc je voudrais pas non plus vous imposer. Je
je sais que ça va être relativement long de tous les deux les faire. J'ai déjà perdu l'autre. Il est là le repère naturel, hein, le machin. Il est déjà perdu. C'est fou ça. C'est vraiment, on le voit jamais, hein. Oui, c'est ça. Il y a bien un repère. Ah oui, c'est parce qu'il est quand même hyper loin. Analyse Frost System de Ménard, on est à 79% quand même, je comprends pas. Ah, c'est le sol, c'est au niveau du... Je sais pas. C'est bizarre ce truc qui est bloqué à 79%. Ou alors ça va être mon dernier repère naturel. D'ailleurs, je regarde beaucoup par là, mais je regarde pas par là. Regardez si... une grotte entre deux était apparue, quelque chose comme ça. Ah. On devrait avoir une jauge d'exploration de la planète et tout. Sauter ça bute, hein. Oh, sauter en surpoids, c'est vraiment la pire erreur que je pouvais faire. Quoi que je vois mieux, je crois que j'ai un meilleur zoom avec le zoom du scanner. En vrai, pareil, niveau 2, amélioration du zoom, enfin amélioration du scanner, vous pouvez zoomer, non mais la blague. La blague de ce que tu peux zoomer, quoi. La bonne blague. Ah oui, d'ailleurs, j'étais en train d'y penser, les points 47, ça aide pas, ça doit pas être des ultra magnétiques, ça doit être des ultra magnum. Mais je sais pas, parce que j'ai jamais vu mon entier. Ah. Ah, ça se bat le flingue à la main. Ça avait peur de l'envahisseur venu d'ailleurs. Putain, c'est bon, je vois le repère naturel. Tant que j'ai pas récupéré toute la respiration, je tremble à fond. C'est marrant ça. En plus, ah, il faut que je fasse des sauts en jetpack. En plein combat, allez. Voilà. Ça, c'est mon état de santé tout de suite maintenant. Ok. Il est moche ton machin. Ah, il a soude s'ouvre par derrière, ok. Les spaciards. Est-ce qu'on discuterait pas à coup de... Je te vois. Oh. Check. Hein. Ah, mais j'ai pas le fusil pour le toucher là. Ah,
Il est mort le con. Plus que deux abrutis. Ça, c'est sans compter. J'ai gagné quoi? Un sac épique. La lunette laser, c'est pas terrible. Ouh, la tête alouette, hein. Ouf. Oh, ils sont barrés. Bon, j'aurais peut-être dû attaquer le vaisseau en premier. J'ai pas été très malin. Tant pis pour moi. Tant pis, tant pis. Bon, il nous reste toujours cette tour à piller, hein. On va se check ça. On va se check ce truc. Mais on va pas check longtemps. Ah, quoique. Attendez. Il peut se passer des choses. Il faut juste prendre beaucoup de respiration puisque nous n'avons plus de respiration. C'est raté. Et du coup, je me suis compté. On va pouvoir se faire, hein. Ah, pousse-toi, toi. On va pouvoir se faire si on part de là. Ça se fait. Vous transportez assez de bazar ou vous voulez qu'on en trouve plus? Un coffre-fort de maître. Non mais déjà que c'est haut, c'est chiant. T'es obligé en plus de ça de me mettre un coffre-fort de maître. C'est injuste. Injustifié et injustifiable. Hop là. On est pas mal. On est pas mal. On est en train de mourir mais on est pas mal. On est pas mal vivant aussi. Quelque part. Et il nous restera plus que le repère naturel. Je suis vraiment en train de me demander si vraiment je vous impose cette torture du repère naturel. Ou alors je fais un speedrun pour le repère naturel. C'est-à-dire que je pose mon loot dans un débile. Ça se fait aussi. Poser son loot dans un débile. Papa pour ce moment là, c'est parfait. Oh, vous voyez des patates et du poulet. Ça valait tout. Tous ces meurtres. Je pour une patate et un poulet. Même pas un poulet vivant. Bon, une patate emballée quoi. Une patate emballée et un poulet. C'est excellent. Exactement, un système erreur. Bon, on sait pas trop ce que ça fait ce truc. On sait pas en fait c'est une station de quoi, mais c'est une tour. C'est une tour de com. Hein. On va dire que vu la grosse radio qu'il y a là, ça doit être une tour de com. Ça doit être son job. C'est genre une tour de chez France Télécom, as-tu vu? Rien d'extraordinaire. Hein. Un paradigme de la gravité. En vérité, ce que nos scientifiques ne savaient pas à l'époque pourrait remplir des livres entiers. Sur l'intention, se portait bien sur les trous de verre. Ah oui, ça on l'a déjà lu. Hop. On l'a déjà lu. Tac. Mais qui mange des fruits à cette époque? Oh, un casier fermé! Un casier fermé de type avancé?
Calculo. Calculo, ça régale, hein. Ça régale, hein. On a l'impression que ça ne se terminera jamais. Ça régale. Non, peut-être plus celui-là. Ouais. Celui-là, il se cale par où? Il se cale pas. Ok, c'est de la merdaille celui-là. Celui-là aussi, c'est à chier. Celui-là, ça a l'air d'être un scandale. Ah! Ce n'est pas un scandale. Et il nous reste un 3 à rentrer. Ça doit rentrer, c'est obligé. Et ben voilà. Tout simplement. Pour un casier vide, évidemment. Déjà, il n'était pas piégé avec une mine, soyons contents. L'humour bug d'Esda, bien sûr, il n'a pas changé. On pourrait squatter un lien, vite fait là. Hop, Bookster. Vous avez bien dormi? Oh, nickel, super bien dormi, hein. Trop bien, trop fat. Let's go sauvegarde et suicide. Ah, si je cours pas, je perds de la vie, mais lentement, ça va. C'est acceptable. C'est acceptable. On peut se permettre le luxe de se déplacer comme ça, là. On voit le point. 1100 mètres, 1100 mètres. Alors 1100 mètres, je vous explique, c'est pas que je vous aime pas, c'est pas que je vous déteste, mais je pense que moi je vais me faire ça dans mon coin et on se retrouve dans un prochain épisode. C'était Knerfon sur comme d'habitude Gaming pour Starfield et je vous dis à la prochaine.